Pas à la mer, ah non, 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 Aziz, non. Allez, non, Aziz, ça fait déjà quatre fois maintenant. Aman. Aziz, c'est Marc Limbouk. Aman, elle renaît. Aman, maman. Ben, أخر المرة ملا dernière, allez. Okay. Mais vraiment une dernière, hein. Ah ouais. Mais vraiment. يعرض في مهرجان لندن السينمائي فيلم أنفيس بك نعيش للمخرج التونسي مهدي برصاوي. تدور أحداث الفيلم حول أسرة تتعرض لحادث وتنقلب حياتها رأسا على عقب، ليس فقط بسبب الحادث والطفل عزيز الذي يقبع في المستشفى بين الحياة والموت، ولكن أيضا بسبب أسرار تتكشف بعد أن ظلت لسنوات طويلة دفينة. معنا مخرج الفيلم مهدي برصاوي، أهلا بك. Ce film parle d'un drame familial où les individus concernés, leur vie est complètement bouleversée après un accident. Bon, le sujet est assez banal et on le voit beaucoup, mais c'est la façon dont vous avez fait le film et aussi le scénario qui fait de ce film un film exceptionnel, à mon avis personnel. Déjà, pour commencer, comment avez-vous eu l'idée de parler de ce film dans ce contexte particulier? Pour répondre à cette question, il faudra que je parle du côté personnel de ma vie d'abord. Je suis issu d'une famille recomposée et j'ai des frères que la société et que l'entourage, que l'école, que les institutions publiques ont dit que ce n'était que mes demi-frères. Et du coup, je me suis toujours posé la question, quelle était vraiment la différence entre un frère et un demi-frère? Pourquoi il y avait cette différenciation? Et bien sûr, en grandissant, ce genre de questions ont évolué vers qu'est-ce qu'avoir un frère, qu'est-ce qu'avoir un demi-frère, qu'est-ce qu'être un père, qu'est-ce qu'être une mère dans les sociétés dans lesquelles on vit. Ça, c'est l'aspect un petit peu personnel du scénario d'un fils. Après, voilà, je ne le cache pas, nous vivons dans une société qui est, disons-le, un petit peu machiste, un petit peu misogyne, et où le père est un petit peu sacralisé. Du coup, j'ai voulu un petit peu questionner l'image du père. Qu'est-ce qu'être père dans la société d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'être un homme dans la société d'aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'être un homme moderne dans une société arabe, surtout après 2011? Cela me permet de rebondir aussi sur l'année durant laquelle le film évolue. On est en 2011, c'est une année charnière pour la Tunisie, qui a vu, mais pas seulement pour la Tunisie, aussi pour le monde arabe. Donc c'est durant ce contexte socio-géopolitique qu'évolue un petit peu l'histoire du film. Et c'était important pour moi de situer cette histoire, car ma société a vécu de profonds soulèvements, changements, disons, que ce soit sur le plan social, sur le plan sociétal, sur le plan culturel, sur et psychologique le plan aussi, psychologique, dans religieux film, aussi, ouais. Donc voilà, absolument. Tout ce travail d'analyse des personnalités a été fait avec une très grande subtilité, parce que déjà l'idée du film peut prêter à des images choquantes, à des dialogues choquants, mais on n'a pas vu ça dans le film. Donc comment avez-vous fait pour rester dans la subtilité alors, et ne pas être tenté par ce choc? Alors, je pense que la réponse est un petit peu facile, dans le sens où le mot d'ordre, que ce soit sur la préparation, sur l'élaboration du scénario, sur le tournage et même sur la post-production, ça a été la sobriété, dans le sens où nous, ce qui nous importait, c'était de raconter l'histoire de cette famille. Certes, cette famille passe à travers différents stades et évolue dans le film, mais on est centré sur cette famille-là, que ce soit sur la mise en scène aussi, dans le sens où on a opté pour une mise en scène viscérale, organique, qui soit proche de ces personnages, proche de ce qu'ils vivent, proche de leur douleur, proche de leur drame, et tout en restant focalisé. Tout le reste, nous avons essayé de le construire en toile de fond, que ce soit l'aspect politique, l'aspect social, l'aspect... tout ce que les personnages vivent en dehors de leur noyau. Ça a été un travail qui a duré 4 bonnes années sur le scénario, dans le sens où à chaque fois, il m'était un petit peu difficile de travailler tout en même temps.
Et du coup, je favorisais durant chaque version, l'élaboration de chaque version, je favorisais un aspect du scénario, que ce soit le père, la mère, mais aussi je ne peux pas parler de père sans parler de l'ego de l'homme, et je ne peux pas parler de la mère sans parler de l'ego de la femme. Et c'est très visible dans le film, mais aussi la sobriété du scénario est traduite dans l'image aussi. Mmh. L'image est très dépouillée, ouais. et on voit la différence, par exemple, entre les huis clos dans l'hôpital, par exemple, et dans les autres lieux, et les espaces ouverts du sud tunisien. Pour le choix des images et des cadres aussi, oui. Comment avez-vous travaillé ça? Moi, personnellement, je n'aime pas les artifices qu'offre le cinéma, dans le sens où j'opte et j'aime une caméra qui soit viscérale, qui soit organique, et qui reflète un petit peu le regard humain qu'une personne puisse avoir. Et du coup, c'est pour ça le choix d'une caméra portée tout au long du film. Vous ne verrez aucun travelling, vous ne verrez aucune grue, aucune luma, aucun travail ostentatoire sur l'image. قلتكم توا خرج من البلوك. الكرتوش هذي ضربته وعملت له برشا اضرار، بالاخص على مستوى الكبد. ما عادش نحبوا ناخذوا حتى ريسك، على ذاك بطلنا ترانسفير. باش منعناه صارينا باش نقصوا بارتي كبيره من الكبده. ما كانش عندي. الفيلم parle du don d'organ parce que l'enfant Aziz qui est entre la vie et la mort a besoin d'un lobe de foie et le père n'est pas le père biologique et on cherche le père. Le vrai père de l'enfant, mais la loi entrave tout ça. Donc, d'abord, je ne vais pas le cacher, je ne vais pas mentir, c'était un très beau nœud dramatique pour mon film d'abord, car on avait vraiment l'obstacle. C'était l'obstacle dont rêvent beaucoup de scénaristes. On a un obstacle qui est insurmontable. Et c'était aussi, ça c'est, disons, c'est le scénariste qui parle, mais après, en tant qu'auteur, je trouve qu'il faudrait que ma société évolue par rapport au don d'organes, dans le sens où il n'est pour l'instant malheureusement limité qu'un cercle familial direct. Et il faut dans le sens prouver des liens de filiation pour qu'un organe soit transplanté. Mais surtout, je veux aussi dénoncer cette loi qui est, à mon sens, complètement liberticide, où l'adultère est malheureusement puni de 5 ans de prison. En Tunisie, nous sommes en 2019 et je pense qu'il est temps que la société évolue. Et vous pensez que le moment historique était propice pour ça? Oui. Donc, c'est avec le départ de Ben Ali en 2011, la parole s'est libérée. Dans le sens où 23 ans de dictature, de censure, d'autocensure aussi, ont été écartés. Et je pense que maintenant, nous avons l'espace pour débattre de tous les sujets, des sujets qui fâchent, des sujets qui vont dans le sens du poil aussi. Maintenant, je pense que nous avons ce luxe. Mehdi Barsaoui, chokran jazila. Oui, chokran.